Et bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, donc on se retrouve aujourd'hui pour le 26e combat de Coliseum. Donc je suis pas en live parce que en fait ce combat-là je l'ai fait hier soir juste avant d'aller coucher, donc j'avais un peu la flemme de commenter, mais je me suis dit bah, je vais le filmer et bon si je le gagne ou si ça fait un beau combat, je le montrerai. Donc alors en face nous avons un Zobal, un Kra R et une Enu, je pense. De toute façon, je vais passer en tactique bientôt, vous inquiétez pas. Et moi, dans mon équipe, j'ai un Kra et un Fekka. Par contre, les niveaux, je me souviens plus trop. Je vous les dirai pendant le combat. Hein. Alors, le Zobal, il est niveau 189. L'Enu, elle doit être 181. Notre Kra à nous, il est 161. C'est un Kra R et notre Fekka c'est un Fekka feu. Donc aussi je faisais surtout cette petite vidéo bah, pas vraiment pour vous parler du combat parce que voilà pour ceux qui veulent regarder le combat vous pouvez regarder mais c'était pour vous dire que depuis hier en fait j'ai fait la vidéo comme quoi j'avais créé ma petite guilde. Et on est déjà 19 dans la guilde donc ça commence à monter. Franchement il y a une super bonne ambiance. On doit être niveau 7 ou 8, je sais plus trop. À la dernière fois, enfin, tout à l'heure quand je me suis connecté, je crois qu'on venait de passer niveau 8. Enfin, soit. Et aussi, vous avez pu voir la petite nouvelle intro. À mon avis, celle-là, elle va rester un petit moment parce que l'autre, en fait, je devais encore la terminer sous After Effects, mais mon After Effects a planté. J'ai perdu le fichier de l'intro, donc j'avais pas envie de découper. Comment découper une vidéo pour la voir en mauvaise qualité, tout ça, enfin soit. Cette petite intro restera. Donc là en plus vous allez voir, ouais voilà, j'ai fait ma roublardise et j'ai coupé la ligne de vue à l'Enu pour faire sa maladresse. Donc elle allait être obligée d'user un PA en plus pour pouvoir faire une maladresse. Voilà. C'est ce qu'elle fait. Mais je pense pas qu'elle peut atteindre le Fekka de toute façon. Non, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Ben, moi, c'est mon premier jour officiellement de vacances. Hein, parce qu'en Belgique, là, c'est les vacances. Je crois que c'est Toussaint. Ouais, c'est Toussaint. Ou je sais plus trop le nom des congés, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Et en plus de ça, hier, on a pu dormir une heure en plus parce qu'on a changé les heures. Donc voilà. Alors, il fait 16 armures terrestres. Et l'armure aqueuse. Il aurait peut-être dû. Ouais, voilà. J'allais dire, il aurait peut-être dû faire l'armure venteuse, pardon. Ouais, voilà. Mais il la met dans les commentaires lui-même qu'il avait oublié, mais c'est pas trop trop grave. Donc, en plus de ça, pour ceux qui attendaient mes vidéos Stuff Minator, juste après que j'enregistre cette vidéo-ci, je vais lancer le rendu. Et je vais aller vous faire, à mon avis, 5-6 stuff. Ça va être des vidéos de 5-6 minutes vite fait, mais je vais essayer de vous en poster pas mal. Comme ça, en fait, j'attendais, ça fait quoi, 2-3 semaines que j'ai posté la première. J'attendais d'avoir, avec beaucoup de gens qui me proposaient des stuff à faire. Donc maintenant que j'ai une fameuse liste, même que, oula, pardon, j'ai mis un kick dans le micro. J'ai une fameuse liste, je dois avoir 2 à 300 stuff facilement avec des persos à trouver, donc ça me fait un petit peu de boulot. Donc comme là j'ai pas mal de temps et que j'ai internet à volonté, comme je suis pas à l'internat, je vais pouvoir vous en faire très 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 souvent. Donc à mon avis les vidéos sur la chaîne, y en a pas mal qui vont être déposées ces jours-ci. Donc attendez-vous, donc il y aura vraiment tout, hein. Je vais faire du Stuff Minator, je vais essayer de vous faire du Coliseum de temps en temps, peut-être une ou deux astuces Kama, parce que j'en ai trouvé 2-3 que j'ai testé hier et franchement c'est pas mal. Qu'est-ce que je pourrais encore vous proposer d'autre? Peut-être des commentaires à plusieurs. En plus de ça, normalement jeudi pour information pour ceux qui veulent. Logiquement je dois aller avec mon frère et 2-3 autres personnes à la Paris Games Week. Donc on va se taper Belgique-Paris, Paris-Belgique en une journée. Donc on va aller voir le fameux salon de gamers. C'est mon frère en fait qui me parle de ça depuis super longtemps. Et puis il a demandé à mon père, il a dit qu'il voulait bien.
Donc voilà, on va sûrement y aller ce jeudi. Donc ce sera le jeudi. Attendez, je regarde. Bah, 1er novembre, tout simplement. Alors, qu'est-ce que... Il a refait son armure venteuse, ça c'est bien. En plus, on est sous fraction, donc on subit vraiment que dalle. Alors, je suis aussi en train de réimaginer, parce qu'il y a, pas mal de temps, vous m'aviez dit que la Capi Academy, bah, vous aimeriez bien. Pas la guilde, mais la... Mais comment le... Les vidéos de vous que je postais sur ma chaîne, ben, je suis en train de réfléchir à ça, comment je pourrais bien, comment dire, comment je pourrais bien le la recommencer, parce que c'est vrai que ça, c'est pas mal de boulot. Mais le truc, c'est que je crois que je vais être obligé, si je recommence ça, c'est de vous obliger pas à la poster sur YouTube cette fois-ci, mais à la poster sur Mediafire, pour que je puisse la télécharger, la regarder avant de la poster, pour éviter qu'il y ait des musiques sous droit d'auteur et tout ça, comme à chaque fois, hein, bien sûr. Et donc voilà. Donc pour ceux qui posent des questions tout le temps par rapport à ça, vous inquiétez pas, à mon avis, dans les jours qui viennent, voire les semaines qui viennent, ça a sûrement recommencé, mais bon, ce sera un autre format, à mon avis. Donc voilà. Alors en plus, on m'a fait renvoi de source sur moi, donc ça lui avait renvoyé son œil de taupe, j'avais pas vu. Et j'ai quand même pris les effets, hein, donc voilà, une pelle fantomatique sur moi qui me fait perdre 1 à la durée des effets. Donc en plus, je vous entends déjà, je sais bien qu'il y en a qui vont râler parce que c'est pas en live. Mais voilà quoi, c'est parce que c'était un combat pas trop mal que je l'ai gardé. Je sais même plus si on gagne ou si on perd, mais si je l'ai enregistré, c'est que ça doit être pas mal. Ah, mais Rizzy, là je suis quand même fier de mes résistances. Donc aussi, enfin, ceux qui vont regarder les vidéos, si vous connaissez un stuff où je pourrais en fait être 1 sur 2 au bâton Brel tout en ayant 10 PA mais sans exo. Parce que je cherche un peu sur internet depuis un jour ou deux, comme j'ai vendu mon tutu, pour ceux qui savaient pas, mon tutu plus 12 je l'ai vendu à 22 millions, donc franchement par rapport à d'autres serveurs, je crois que c'est vraiment pas mal, parce qu'on m'a dit que c'était beaucoup moins cher sur d'autres serveurs. Donc voilà, et je me disais que comme j'avance un petit peu, bah, les dagues ça me plaît pas trop en fait, que j'essaierais peut-être de me remettre full stat agilité et peut-être essayer de mettre un bâton Brel. Mais le problème, c'est que je trouve pas de stuff pour être 10 PA et pour être 1 sur 2 au bâton Brel en fait. Donc à chaque fois j'ai besoin d'un exo. Et toute façon, niveau argent, je dois avoir 57 ou 58 millions, donc il n'y a pas de souci. Je me doute bien qu'un tutu plus 11, à mon avis, ce sera obligatoire pour être 1 sur 2 au Brel. Mais franchement, je vois vraiment pas ce que je pourrais faire comme stuff pour avoir les 10 PA. Pourtant, j'ai regardé, là je suis niveau 189, je vais bientôt passer 190. Je dois être à 80-85%. Donc, à mon avis, encore un RM ou deux, et ce sera bon. Allez, avance. Là j'étais en train de me demander, comme j'ai plus de PE, je voulais le mettre en fait dans un mur de bombe, mais c'était pas possible parce que j'ai vraiment plus rien comme PE. Donc je suis allé au cac. Et voilà, je fais 2 CC à la dague, je vais retirer plus ou moins 900 points de vie, un peu moins. Parce qu'il avait un bouclier. En plus de ça, il avait 0% en air, donc il prenait pas mal de dégâts en coup critique. Mais par contre, il a pas perdu de PA. Je suis en train de regarder ça. Donc en plus, je sais pas si vous savez, mais pour le moment, je suis un peu en train de geeker Battlefield sur Xbox 360, parce que j'ai débloqué le barret. Enfin, le barret .50, c'est dans comment? Dans Battlefield, s'appelle le M98B. Je suis en train de me connecter là pour vous le dire. Et franchement, je me fais bien plaisir avec ce petit snipe. Alors, mon soldat. Personnalisé, kit. Ouais, voilà, M98B. Franchement, pour ceux qui jouent à Battlefield, c'est une tuerie ce snipe.
Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Moi, je suis en train de regarder parce que j'ai plus du tout de vie. Ah, je sais peut-être ce qui va se passer. Je crois qu'on va essayer. Ouais, voilà, il y a l'ennemi qui va mourir maintenant. Je crois qu'on va essayer de focus le Zobal, mais je pense qu'on va pas avoir assez de temps pour me sauver. Donc je vais faire péter 3 bombes sous dernier souffle et tout ça. Je crois que je vais retirer pas mal de vie. Je suis plus sûr et certain que c'est ça, mais je crois que c'est à peu près ça ce qui va se passer. Alors, le chat. Je découvre en même temps que vous. Je suis en train de bien regarder parce que je sais plus trop. Ouais, voilà. Je vais me décaler avec le dernier souffle. Là, je pense que je vais lui faire dans les 1000 dommages avec mes murs. Ça fait vachement mal d'ailleurs. Je vais me pousser là-bas. Et je vais l'attirer. Voilà, 942, hyper APM, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Par contre, mon roublard là, ben, au moindre coup, il risque de décéder, donc. Le Fekka va aller au corps à corps, voilà. Il faut encore lui faire du mal. Donc là, c'était vraiment. On essaye de one turn le Zozo. Mais malheureusement, là, il va prendre encore 800 à des dommages, mais il reste 276, donc il va avoir le temps de se refaire un plastron, des trucs comme ça. Il va surtout essayer de me tuer, je pense. Je crois qu'il va me faire une apathie. Voilà. Voilà, donc moi je suis mort. Bon, le Zobal, il a pas eu le temps de refaire de bouclier ni rien. Donc voilà, Hisoka le termine. Et maintenant c'est du 2 contre 1, c'est tranquille. Hein. Ils vont pas se prendre la tête, ils vont se faire chier à la harcelante avec des glyphes. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils avancent. Oui, il va refaire même ses boucliers et tout ça vite fait. Donc aussi, je voulais faire une petite dédicace à tous les membres de ma guilde. J'en pense... Il y en a un que, si je me rappelle, il m'a demandé tout à l'heure. Alors, Twinkle, un truc du genre qui s'appelle. Il voulait que je fasse une dédicace. Tant que j'y pense, ben voilà, je te la fais ta dédicace. Donc voilà, si... de toute façon, à mon avis, je ferai peut-être un genre de Dofus News à la comment? Un peu comme Vidéofus, mais plutôt par rapport à la guilde, un petit peu montrer ce qu'il y a eu de nouveau pendant la semaine, ce qu'on a fait comme sortie, ou peut-être ce qu'on va faire comme sortie, peut-être plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, ils sont limite. Invulnérable, voilà, il a fait un œil de taupe, mais ils ont rien subi du tout. Alors, pendant ce temps-là, je vais changer map. Non. Non. Non plus. Celui-là, c'est bien. Voilà, ça me semble pas mal. Donc il fait ses glyphes tranquillement, le combat va s'achever. Normalement, bon, notre Fekka a plus grand chose comme vie. Mais c'est pas trop grave, il est sous ses armures, donc logiquement il ne devrait pas subir beaucoup de trop. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il continue. Ah, il lui a fait une Napso. Il tape vraiment, il tape, franchement, il tape pas mal à la pso, je trouve. Parce que quand je vois, il a à peu près la même panneau que moi, l'autre créa, donc il doit être dans les 17% en air. Bah, franchement, taper 386 sur autant de pourcents, franchement, c'est pas mal du tout, je trouve. Qu'est-ce qu'il fait? Il avance. Maîtrise du marteau. Il tape. Voilà. Encore un. Ah non, il a plus assez de PA, donc il fait une attaque naturelle.
Une petite flèche de dispersion, il va se décaler. Voilà. Encore une Apso à 386. Et une Imo à 74. Mais il retire pas de PM par contre. Voilà, notre crack qui aura pas perdu un PV, je pense, sur tout le combat. À part à cause de fractions en fait. Faut que non, en fait, au premier tour, je crois qu'il s'est fait taper un petit peu par les nus, mais il a tout repris avec. Avec la flèche Apso. Donc voilà, à mon avis, ça va être le dernier tour. Voilà, le Feka qui. Donc Kriosque qui achève le combat. Moi, je gagne 2,7 millions. Ça faisait longtemps quand même. Je suis remonté à 1200 de cote. Donc voilà, hein, moi, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc pour. Je répète vite fait, le Stuff Minator, ça va arriver. Et moi, je vous dis à très bientôt.